Salut tout le monde, c'est Ato, bienvenue dans cette nouvelle session Yakuza sur la chaîne. Alors attention, je vous le dis tout de suite, comme ça vous serez pas surpris, j'ai une mauvaise nouvelle. C'est-à-dire qu'en fait, là normalement vous avez des épisodes tous les jours, je vous le dis tout de suite, aujourd'hui on est jeudi, l'épisode est tourné le jour même, celui de demain sera tourné aujourd'hui du coup. Et je pense, j'en suis même quasiment certain, samedi dimanche vous n'aurez pas de Yakuza. Voilà, il n'y aura pas de vidéo sur la chaîne du tout ce week-end. Une raison toute bête, c'est qu'en fait je suis en train de préparer Video Games Lab, le numéro 3 qui sortira, je l'espère, semaine prochaine. Et bah ça me prend un temps de fou, et le truc c'est que vous le savez, la semaine prochaine en plus c'est Cyberpunk qui sort, donc j'ai pas envie de me retrouver avec la sortie du jeu sans avoir terminé mon émission. Donc je vais d'abord terminer ça, et le truc c'est qu'il faut, voilà, faut prendre une décision un peu chiante, et la décision ça sera bah, pas de live et pas de VOD, et puis comme ça au moins je m'y mets à fond. Voilà, c'est pour des bonnes raisons. Et pour les gens qui ne savent pas de quoi je parle, je rappelle que Video Games Lab c'est vraiment genre le projet vidéo dans lequel je m'investis le plus. Et donc si vous voulez voir un petit peu la gueule que ça aura, et bien, enfin que ça a, pardon, je vous invite à regarder le lien qui sera sans doute en description et que je mettrai, et puis bah sinon éventuellement tapez Video Games Lab sur YouTube. Bref, tout ça pour dire qu'on continue donc l'aventure Yakuza évidemment. Alors, vous le savez sans doute si vous suivez très activement la chaîne YouTube, Twitch pardon, mais vous ne le savez pas si vous suivez uniquement YouTube. Là actuellement je me pose des questions, parce que peut-être que ce Yakuza là tel qu'on le fait, c'est peut-être le dernier let's play dans ce format un peu live direct, sans concession, sans montage. Pourquoi? Parce qu'en fait, du coup là en parallèle j'ai eu l'occasion de démarrer un certain jeu qui s'appelle Vagrant Story. Et je me suis surpris à vouloir faire du montage un peu énervé en fait, pour faire le let's play en mode vraiment propre, avec une belle intro, une belle conclusion et tout ça, des petits cliffhangers machin. Et je me demande, hein, je me demande si ça vaudrait pas le coup de faire ça pour les let's play à l'avenir, et donc peut-être d'en sortir moins, mais de faire en sorte que chaque VOD soit intestable sur le montage. Allez, on va lancer, c'est bon, la suite de la mission. Et c'est parti. T'es qui toi? Je suis là pour vous tuer. Tout comme j'ai tué cet enfoiré de Matsuo. Matsuo? Ce type que les Jomiju l'ont engagé pour attaquer le bar. Nandate. Ça veut dire que tu l'as tué? Et qui t'en a donné l'ordre? Personne, j'ai agi de mon propre chef. Senghui pense que je suis allé trop loin, mais c'est parce qu'elle est trop lâche. Je ne travaille pas pour les lâches. C'est pour ça que j'ai quitté les Jomiju. Mon nouveau partenariat s'avère beaucoup plus fructueux. pour qui tu bosses? Ça n'a pas d'importance, parce que tout s'arrête là pour vous. Vous ne le savez pas, mais vous êtes déjà mort. Je crois que c'est toi qui vas plutôt te retrouver à jouer les carpettes. C'est trop tard pour revenir en arrière maintenant. Allez, go! Et ça pique. Ah merde, j'aurais dû charger les MP. Oulala, oulala, oulala. Alors attends, bon après ceci dit, je rappelle que... On a quelques avantages. Après, faut voir s'il y a un combat ou s'il y a plein de combats. Et là, effectivement, ça peut changer un petit peu les choses. Bon, là, déjà, j'ai mis une grosse patate. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va claquer le fouet barbare au cas où. J'ai changé quelques jobs, hein, je vais le dire à chaque fois, mais effectivement, il y a eu du mouvement. Ah, Kaiser qui dit, mais ça te prend pas des plombes par rapport au montage et tout ça. Si, mais en fait, ça vaut le coup. Donc, je pense que voilà, je vais. En fait. On va voir, mais peut-être qu'à la rentrée, je vais remanier un petit peu la chaîne VOD, et peut-être que ce qui va se passer, c'est qu'il y aura les VOD classiques, en mode vraiment juste de la rediffusion pour les découvertes de jeux, notamment tout ce qui est session un peu one-shot et tout ça, et puis du coup, pour toute la partie un peu let's play, dans certains cas, ce sera vraiment genre un peu light et tout ça, et dans d'autres cas, ce sera le montage un peu vénère, l'immersion, les dialogues, les machins, et tout ça mis en avant. Par exemple, tous les trucs de combat aléatoires dans Vagrant Story, bah du coup je les raccourcis un petit peu finalement, pour qu'en gros vous puissiez vous dire qu'en une demi-heure il se passe plein de choses quoi. Donc c'est un peu l'idée. Après on verra si je le fais ou pas, mais c'est un peu l'idée. C'est donc là les bureaux de Bleach Japan? Je vois de la lumière au premier, ça veut dire qu'il y a quelqu'un? Ouais. On ne sait pas sur qui on peut tomber, il va falloir être prudent. Merci Gentle Joe, merci beaucoup. Après je vous dis ça, c'est à l'état de projet hein. Mais déjà, ça fait un moment que j'ai envie de passer moins de temps à faire les rediffs qu'à gérer les lives. Parce que là, le problème, c'est ça, c'est que... Enfin bref, on verra plus tard. Est-ce que tout doit aller sur YouTube, en fait? C'est la question que je me pose. Et vous pouvez y répondre sur YouTube, d'ailleurs, en commentaire. Oui, qui est-ce que c'est à ce moment? Bonjour, Kume-san, d'accord. Je suis en train de me faire un peu, mais... Je pense que c'est mon ami qui est venu, non? Vous... なんでここだと。よう、一番。やっぱりここにいたんだな。
Namba, Ijin-san kara koroshiya ga mukatte ru. Hanpin Ryuman no yatsura da. Hanpin Ryuman? Komijiru ja nakute ka? Kochira ni kita no wa anata gata dake desu ka? Aa, ore tachi dake da. Sou desu ka. Namba-san ni goyou de. Aa, anta dare da? Hajimete miru kao da na. これでもよくメディアに露出してるんですがね。まだまだ認知されてないか。あ、本当だ。確かブリーチジャパンの代表で。はあ、俺もテレビで見たことあるぞ。小笠原と言います。このところ横浜支部を応援に来てましてね。特に偉人町は全国的に見てもグレーゾーンが幅を利かせ、警察もそれを野放しにしている。そこへ来てまさか偽札作りまでとは全く信じがたい。もう難波から全部聞き取ったわけか。なら悪いことは言わねえ。あんたらすぐこっから逃げろ。なんならそれまで俺らがついてやってもいい。難波、お前もさっさと逃げろ。春日、お前最初からそのつもりだったんだな。なぜ私たちが逃げなければならないんですか。偽札に関わってるのはコミジュルだけじゃねえ。清流会とハンピン・リューマン、それぞれのトップも承知なんだ。秘密を知ったナンバに殺し屋を送り込んでる。となると片木だろうがここにいるあんたらだって危ねえんだ。小笠原さん、殺し屋だなんてハッタリです。そいつは口がうまいですから気にしない方がいいですよ。いや、本当のことでしょうね。え、最初あなた方がその殺し屋かとも考えたんですが、肉の壁の殺し屋にしてはあなた方だけじゃ少なすぎると思ってました。は、殺し屋少なすぎるって何の話です。やれやれ、久米君はまだ事の次第を分かっていないんです。ですが無知ゆえの勇気が必要でした。この偉人町でブリーチジャパンの支部長を務めさせるにはね。え、 あの小笠原さん、一体何の話を。あんた本当に仇か。もちろんですよ。ただ普通の人よりはいろいろとものを知っているとは思います。さっきから何言ってんのこいつ。そろそろお願いできますか、ラオマ。ラオマ、マブチが、なんでここに。ハルトゥイスト。ここは任せてもらっていいですよ、代表。うちはアフターケアも万全です。では我々はこれで行きましょう。おい、ナンバー、待てって。偽札のことはもう全部この人たちにぶちまけだ。俺は弟を見つけてえだけだ。生きてても万が一死んでてもな。あ、小笠原さん、私はどうしたら。マブチ。場違いなゴミにお似合いの最後をくれてやれ。あんたがこんなとこにいるとは思ってなかったよ。安心しろ。うちのボスですら知るわけねえ。ずっと会いたかったぜ。俺らをはめてくれた礼を言えてなかったもんな。店長の分もよ。Ok, c'est le moment du gros fight. Et on y va bien sûr avec plaisir. Allez. Alors, déjà, merci à Kazuma qui s'abonne à la chaîne. Merci beaucoup à toi. Merci aux personnes qui arrivent au passage. Bienvenue à vous. On est donc effectivement encore et toujours évidemment sur ce brillant Yakuza. Et on va casser des têtes. Déjà, commencer par celle-ci. Ouais, alors attends. On va faire ça. Je préfère les tuer et réduire leur nombre le plus rapidement possible.
La petite fessée à coup de fouet, bien sûr. Ah, alors là, je vais commencer à t'embêter. Bon, c'est pas grave. On va y aller comme ça. Oh, nice! Trop bien, ça. Mais j'ai tellement eu de chance avec le décor. J'ai tellement eu du cul. Allez, tu blesses, évidemment. Alors, normalement, il était censé être étourdi. Ça y est, lui, il est resté étourdi pour le coup. Bon, je rappelle qu'on avait des bonnes armes, hein, tout ce qui était cartes à jouer et tout, c'était stylé. Ah, ça me fait penser qu'il faudra que je gère mes niveaux d'amitié, ça. Bon, et là, on va garder quelques MP, parce que si jamais je dois me taper le boss dans la foulée avec ces espèces d'énormes lances, là, ça va être compliqué. On va voir. Je l'ai senti. Ok, le style à toute épreuve. Et alors, une arme antique, d'accord. Ah oui, l'arme de Guan Yu, c'est vrai. Dans Dynasty Warrior. Ah bah merde, je m'attendais pas à ça. Ok, pourquoi pas. Et alors, on juge pas, hein. Ok, donc là par contre, je suis dans la merde. Attends. Il y a peut-être un truc à tenter là. Bon, je vous épargne juste parce qu'on l'a déjà trop vu. Arrête! Ça me met toujours un peu mal à l'aise, ce truc. Voilà, j'ai réduit sa défense et son attaque. Et là, comme ça, normalement, ça devrait mieux se passer. Ah oui, il a de la vie, hein, par contre. Il a grave de la vie. Ok. Alors, l'idée, c'est qu'on va charger ça. Et on va charger ça aussi. C'est parti. Bon, ça va, ça fait quand même des dégâts. Mais il a de la vie, genre sac à PV vénère. Alors je peux claquer un autre acolyte éventuellement. Elle pourrait étourdir les survivants. D'accord. Ou alors juste des chances d'empoisonner. Peut-être que le poison ça peut être sympa. Allez, celle-là on la regarde par contre. Un minimum. Alors Nanocral, on est juste après la VOD précédente, hein, je précise au cas où. Là on est au jour le jour. Regardez ça. Oh là 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 là. La violence, c'est magnifique. Le samouraï. Ah, bonne nouvelle, il a empoisonné et c'est sa faiblesse. Bon bah nickel. C'est exactement ce que je voulais. Alors là, le top du top serait même de l'étourdir dans la foulée, mais bon, peut-être pas rêver. On va faire ça. Ah, pas mal. Ah, c'est un vrai boss, il déconne zéro, hein. Il déconne zéro. Alors, guillotine. Ah, je peux mettre KO avec ça? Non mais si je mets KO un boss, c'est abusé. Non, ça va, ça tue pas. Par contre, s'il est au sol, c'est parfait parce que là, on peut bourrer les coups critiques. Ok, bon, jusque là, tout va bien, pas d'embrouille. Je sens vraiment que le poison, c'était le très bon move de cette histoire-là. Ok, motivation peut-être éventuellement. Non, on va faire ça. Bêtement. Ah, un 5. Ah, par contre, il a pris masse de dégâts quand même, hein. Alors, l'aliéné, je me rappelle plus ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire que du coup, il peut devenir genre complètement à ma merci? Et devenir entre guillemets gentil, on va dire. Après cette espèce de... Ah, et ouais, le poison, vous voyez. Je sais pas combien de temps je vais gagner avec ce truc-là, mais je sens que c'est pas mal. Je peux claquer éventuellement un dernier acolyte, celui-ci qui pourrait le geler. Allez, on y va. De toute façon, bon, j'ai tellement d'argent maintenant que c'est bon, on peut y aller. Regardez ça, c'est 5 millions là. Il faut bien s'en servir au bout d'un moment. Et coucou la Zaintrice, pourquoi je stream tôt? Bah parce que j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui et que je voulais absolument avancer Yakuza. Regardez ça. Non. C'est une parodie du coup, je le savais pas. Et Ryujin. Non. Aishiteru!
C'est magnifique. Ah là 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 là. Bon, ok. Oula, ça y est, ça s'énerve. Attaque plus. Pas content, machin. Ok, ok, on n'est pas dans un jeu vidéo, hein, mais oui, il a l'air Furax. On va calmer ses ardeurs. Alors attends. D'accord qu'il a monté l'attaque, mais c'est pas pour autant que je dois rester là à attendre. C'est la merde là. C'est grave la merde. On va y aller avec ça encore une fois. Bon, il est mid-life. Bon, c'est bien, on commence à voir un petit peu les prémices des vrais boss du jeu en fait. Je pense que c'est même le premier vrai boss du jeu. Oh, j'ai pris tellement cher. Mon dieu. Acolyte, on va aller jusqu'au bout du truc. Hein. Je claque tout. Mais. Omelette! Omelette ne se bat pas, c'est horrible. Allez, celui-là, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Ruby, on va se détendre. C'est le seul message que je laisse passer comme ça, je te préviens. Elle est tellement énervée. Alors, combien de dégâts? Ça va. C'est honnête vite. Attends, par contre, faut que j'aille taper là. Faut que je fasse gaffe. Hein. Faut vraiment que je fasse gaffe. Il va falloir soigner. Alors, voix magique. Ouais, sur toi du coup. Sakura, chasseuse de cartes, je te l'ordonne. C'est ce bâton qui me fait tellement rêver. Aïe. Ah, je peux profiter d'un bon massage et récupérer les... Mais what the fuck? C'est pas un massage, c'est un ferry. Oh là là. Ça va qu'elle l'a mis au niveau de la gorge, hein, parce qu'elle aurait pu le mettre ailleurs celui-là normalement. Ok, d'accord. Elle profite d'un bon massage. Bah ça va, tout va bien. Oh la vache. Mais c'est terrible, mais c'est terrible. Je ne m'en remettrai pas. Bon là, en théorie, je tue. Hein. Allez, le raté qui fait plaisir, évidemment. Ah, petit coup critique qui va bien. Il attaque souvent quand même. Fais hein. Gaffe à Kasuka. Voilà. Voilà. Bon, ça a l'air d'être bon cette histoire là. Et oui, c'est bon. Nickel, bam. Oh là là, de l'XP, du job et tout ça. Alors ce qui est bien, c'est que du coup, je vais récupérer pas mal de points. Et vous noterez qu'on monte un petit peu en stats quand même. Regardez le diagramme en haut à droite. Ces courses de cartes n'auront pas été vaines. こいつはすげえ。聞いたぜ。最高じゃねえか。まだ口が聞けそうだな。ありがてえ。言って。何なの？嬉しそうな声出して。よくもうちの店長殺してくれたじゃねえか。殺したな。はあ。 殺した、殺した。殺してやったよ。清流会とドンパチするために。俺は言われた通りにやっただけだ。言われた通りにだと？誰に？何を？さっきここにいたろ。ブリーチジャパンの代表、小笠原。小笠原？ あいつが店長の殺しをお前に何が狙いでそんなことを。小笠原の狙いはな、偉人町そのものだ。何だと？荻窪豊を支える謎の資金源を暴き出すことが小笠原の狙いだったか。そのためには肉の壁に
ひびを入れる穴を開ける必要があった。穴を開けるって、それが野々宮が死ぬことなの？じゃあ何か、小笠原はグレーゾーン潰すために殺しの指示を何がブリーチジャパンだ、何なんだあいつらは。待てやマブチ、連中に頼まれたとしてお前は何で引き受けた？偉人さんの全勢力を敵に回してまで何の得がある？小笠原にはでかいバッグがついてる。バッグ？偉人さんも陸の壁も時期終わりだ。明日には山ほど兵隊が乗り込んでくるからな。兵隊？ブリッジジャパンのか？そうじゃねえ。まだわからねえのか、カスが。あ？ブリーチジャパンのバックについてんのはな、カムロ町にいる近江連合よ。なんだと？俺、偉人町の荒川真澄になるんだ。奴みてえに町を売っ払って近江の幹部に名を連ねる。俺はこんな狭い町で終わりゃしねえ。おやっさん、てめえと一緒に勝たんな。近江連合がこの町にも来るの？そこんとこじっくり聞いてみようじゃねえか、小笠原の野郎に。奥にまだ部屋がある。小笠原も難波もそっちへ入ってた。ああ分かってる、行こう。奥からも外へ出られたんだ。小笠原ならもう出てった。難波、ブリーチジャパンは偽札を暴き出す。コミジルもぶっ潰してくれる。俺の弟も見つけ出すかもしれん。俺らにはできねえ芸当だよ。なんちゃ。一番、俺にとって大事なのは弟だ。長いことホームレスやってたのもあいつを見つけてからだ。小笠原はどこに行った？もう彼らの邪魔はすんな。少し話をしてえだけだ。だからそれが邪魔だってんだよ。一番難波、今は弟より自分を心配しろ。偉人さんの殺し屋が探してる。明日まででいい、どっかに隠れてろ。さっき真淵が言ってた、明日近江の兵隊が偉人町に入ってくる。そのどさくさに紛れりゃ逃げられる。お前ならできんだろ。余計なお世話だ。ねえなんちゃん、気持ちはわかるけど、私たちの気持ちもわかってよ。ねえったら。うるせえよ。そいつは店長を殺したやつだぞ。そして小笠原はその指示を出してたんだ。ああ、でもな、弟を見つけるにはこいつらの力がいるんだ。本当に行くのか？止めたきゃ止めろ。なんなら背中からかかってきても構わねえぜ。俺らがお前にそんな真似するわけねえだろ。くだらねえこと言うなよ。俺たちは仲間だ。ああ、うるせえ。一番、気持ちはわかるが立ち止まってる場合じゃねえ。奥はおそらく支部長の部屋だ。調べてみようぜ。せっかく誰もいねえんだ、チャンスだろ。なあ、そうだな。Eh bien écoutez, les choses s'épaississent un petit peu et c'est très très cool la manière dont le scénar décide d'avancer. Vraiment, je m'attendais pas à tout ça et c'est très 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 bien.
Beaucoup de révélations, encore une fois. La suite va être dingue, je pense. どうしたの? おい、この写真 なんだよ? 小笠原と握手してる こいつだよ ああ、都知事じゃねえか 青木だろ? 都知事の青木亮 まだ若い頃だな 今はもう抜けたが もともとブリーチジャパンはそいつと小笠原が 2人で立ち上げたんだ 青木亮? でも 死んだはずだぜ は? 死んだって カムロ町で 俺はそう聞いてた どういうことだ? 青木亮を知ってんのか? 違う Et oui, on le savait, c'était sûr. ああ。 新聞社が主催の子供たちが来るんだったね。そうです。ならキャンセルはなしだ。親御さんたちだって張り切って新しい服を買ってあげて心待ちにしているかもしれないからね。ええ、ですが。大丈夫。必ず定時までに反対派を解き伏せて審議を終わらす。 子供たちをがっかりさせたくない。わかりました。表敬訪問は予定通りに。今日はもう上がりなさい。失礼します。Merci beaucoup Easy Diver. Merci beaucoup à toi. 小笠原です。いい知らせかな? ようやく見つけましたよ。荻窪幹事長の内での小槌。肉の壁の深いところにありました。そうか。つきましては関西のおのぼりさんたち、いくらかこちらへよこしてもらえますか。いいだろう。東京にはもう十分手が足りている。余っている分をそっちに回す。 Mais pourquoi on est dans FF15 là d'un coup là? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris. Non. C'était complètement le bâtiment de Versus 13, on est d'accord là. Il y a un truc chelou quand même. Le crossover est total. Je comprends plus rien ce scénar, c'est trop bizarre. Salut Sylvaris, ça va très bien et toi? Donc là, moitié du jeu, je pense. Hein. この辺りが詳しく書いてそうかな。青木亮、現都知事42歳。やっぱり年も若と同じだ。そう焦んないでよ。ただの他人の空似かもよ。ある時一年発起してアメリカへ政治経済を勉強する傍ら、 盟友となった小笠原はじめと共にハーバードを卒業後帰国。
その年ブリーチジャパンを設立か。小笠原もその頃はまともな人間だったのかな。まあ連中昔から主張だけは正論だったぜ。若者が世のグレーゾーンに切り込んでいく様が瞬く間に全国で支持を集めたんだよな。青木亮もテレビや雑誌にバンバン出て一躍知名度を上げた。コメンテーターなんかもやってたぜ。でその後はブリーチジャパンを小笠原に任せて政治の世界へ。2年前都知事になった時の得票数はまあまあ、でも今の支持率は 80% 超え。政治家としちゃ敵なし状態だな。なあ、それより青木亮が実は荒川正人だって情報とかどっかに書いてないのか。パッと見る限り見当たらないわ。やっぱ他人の空似じゃない。いや、そう決めつけんのは、はい、むしろ都知事が荒川正人だとすりゃ筋が通ってくることもある。え、どういうこと。青木亮は都知事として2年前に一気に支持率を上げた。その理由はカムロ町産経作戦で東上会を壊滅させたからだ。ヤクザを町から一掃する作戦よね。ええ、そして作戦が終わった時、あそこのトップや幹部衆はほとんど失踪って形で町から消えてたらしい。失踪？まあ失踪というよりは現実は慌てて逃げ出したって感じだろう。作戦が実行されてた最中、警視庁じゃ誰をどの罪で捕まえてやろうかって秒読みの段階だったらしい。産経作戦としてかこつけりゃ東上会関係者全員暴対法だのなんだのでいくらでもしょっぴけたはずだからな。ってわけで東上会の幹部衆も捕まる前に高飛びしたってわけよ。なるほど、そこまで追い詰められてたのか。だがそこまで東上会を追い詰めたのは産経作戦が優秀だったというよりも東上会組織の内部情報が警視庁にダダ漏れだったってことだ。でその情報を流していたのは荒川組組長、荒川真澄だった可能性が高い。じゃあその組長が知事とグルだったってこと。春日の指摘通り、知事が荒川正人だとすりゃ荒川にとっちゃ実の息子ってことだろう。グルどころの話じゃねえ。春日、これで荒川が東上会を裏切った理由にも説明がついたな。荒川は東上会から知事になった息子に鞍替えしたんだ。おやっさんはそんな人じゃねえかもな。だが俺の推理は曲がりなりにも筋は通ってると思うぞ。荒川だって極道である前に人間であり父親だ。血のつながった息子のためなら自らの立場を顧みず肩入れするのもおかしくはない。Le gouverneur est-il vraiment le jeune maître? Et si oui, comment a-t-il fait? 若が都知事ならどうやって自分の素性を変えられたんだ。戸籍を買ったのかもな。戸籍を変えるの？架空の人間を作り出すことは難しいことじゃない。加工した写真を作り偽名をつけ戸籍謄本だって偽造すりゃいい。ほんの少しの間ならそれでごまかし通せるだろう。でもちょっとでも深く調べられたらすぐにボロが出るもんだ。だよね、実際には全部嘘なんだもんね。そういうことだ。でも実際に存在する戸籍ごと奪っちまえばその嘘も現実にすり替えることができる。多分本物の青木亮って引きこもりは実在したはずだ。その戸籍を正人が金で買い取ったか奪ったかして成りすました。でも他人の戸籍を乗っ取るってそんな簡単にできるの？簡単とは言ってねえ。だが裏社会とパイプを持つ人間ならあとは金で解決できるだろ。春日、若には荒川組の力がある、金もある。確かにやれるかもな。でもなんでわざわざそんなことを。正人は
ヤクザの息子って素性をよほど隠したかったんじゃないのか。本当の素性のままじゃ今の活動はできねえだろう。一番、そのマサトさんが死んだっていうのは誰から？中学の時の先輩から聞かされたんだ。ついこの間、カムロ町で。荒川組がわざとデマを流したのかもな。マサトの成りすましを成立させるために。待った！その写真。Ryo、Ryuki、Aoki marche mais comment？ Il n'a plus besoin de fauteuil roulant？ どうしたの？若は生まれてすぐの事故で歩けなかった。けどこの都知事は車椅子じゃねえ。え？どうしてだろう。戸籍は変えてもそれはさすがに。青木亮はアメリカに留学してたんだったな。手術を受けたんじゃないのか。でも医者もサジを投げてたんだ。そりゃ日本での話だろう。アメリカなら日本じゃ未認可の手術やらを受けることもできるからな。この偉そうな制服は？うん、警視総監だ。そいつが堀之内十郎だよ。足立さんの因縁の人ね。ふん、こいつどっかで見た気がする。ん？それも俺が無所に入る前にだ。あれは確か。そうだ、若にお供していったキャバクラであったんだ。若が入れ込んでた女が裏では堀之内に惚れてた。それで若はメンツをがっつり潰されて。へえ。じゃあ知事と警視総監はかつての恋敵だったってわけか。ふん。こん時お互いどの面下げて顔を合わせてたんだろうな。でも一番が覚えてるくらいだからお互いに覚えてるんじゃない？何なんだろうね。なんか急にカムロ町が身近な感じになってきたな。くそ、頭がこんがらがってきたぜ。まああんまり根詰めんな。今日はもう休もうや。俺はもうクタクタだぜ。そういえばマブチが言ってたよね。明日オウミの兵隊が乗り込んでくるとか。でも何しに来るっていうの？考えたって答えは出ねえよ。だから休もうっつってんだ。それもそうだな。よし、帰って寝るか。いや、帰る必要はねえさ。え？マスター、前に頼んだ2階の部屋の件だけどよ。ああ、もう片付いてる。使って構わねえぞ。ありがとうよ。2階の部屋？ああ、実はこの店2階に空き部屋があってよ。物置になってたんだが、そこを俺らのアジトとして使わせてくれねえかって頼んでたんだ。お前のうちも風情があっていいんだが、さすがにこの人数で寝泊まりするには手狭だしな。ここなら人数が増えても多少は大丈夫だし、酒を飲んで眠くなってもすぐ寝れるな。いいアイデアだろ。そりゃ俺らはありがたいけどよ。いいのかいマスター？もともと使ってない部屋だからね。別に構わねえよ。それに。それに？詳しくは知らねえが、おめえらこの町の連中のために戦ってくれてんだろ。そんな勇者さんご一行にボロ部屋一つ貸せねえほど俺は落ちぶれちゃいねえよ。マスター、ありがとう。じゃあ遠慮なく使わせてもらうぜ。おう。でもよ、さっきのセリフはちょっと臭すぎじゃねえか。あうるせえ。お茶くるんならもう貸さねえぞ。
Je ferais bien d'aller voir comment la ville s'en sort face à l'invasion de l'Alliance Omi. Je vais surtout regarder mes plantes. Alors, j'ai... Quoi? Ah merde, je pensais que j'avais planté un truc, je suis deg. Allez, on va mettre les graines mystérieuses, évidemment, comme toujours. Voilà, commencer la récolte, oui, voilà, tac. Et là, évidemment, le radis blanc, comme toujours. Et oui, on ne s'arrêtera donc jamais. Et, par contre, ce qui est sûr, eh bien, c'est que là, voilà, c'était le gros morceau de scénar, déjà, évidemment, avec les petits twists et tout ça. Et donc, il était vivant. Bon, on l'avait collé à un kilomètre, hein, que c'était impossible qu'il soit complètement mort. Mais je m'attendais pas du tout à le retrouver dans ces circonstances-là, par contre. Et j'avoue que ça me plaît plutôt pas mal, la façon dont les choses évoluent. On fait la petite pause évidemment pour les gens qui sont sur le live, ne quittez pas, je reviens dans un instant pour les gens qui voient ça en VOD, j'espère que ça vous a plu, c'était le gros morceau cinématique avec le gros boss au passage, et puis bah, du coup voilà, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans peu de temps. Bye tout le monde et à la prochaine.